Bonjour chers parents, bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Je suis l'abbé Benjamin Kinyel-Mankone, le curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Kathiola, vicaire épiscopal des secteurs sud et centre. Je viens vers vous, ou du moins, par moi, le Seigneur Jésus vient vers vous pour solliciter votre aide. Notre cathédrale a besoin de vous. L'église à Kathiola a besoin de vous. Venez nous aider à réaliser ces quelques projets que nous vous présentons. À l'occasion donc de ce dîner gala que nous organisons, nous attendons de vous vos dons. Faites parler votre cœur. Le Christ a dit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Oui, investissons pour Dieu. Investissons à la BCC, c'est-à-dire à la Banque Céleste du Christ. En investissant ici à Kathiola, vous investissez toujours dans l'Église catholique. Votre Église, l'Église que nous aimons tous, la joie d'une Église partout dans le monde est la joie de chaque chrétien en particulier. Faites en sorte que par vos dons, l'Église à Kathiola partage cette joie, partage la joie de vivre en fils et en fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pour vous 5 projets à réaliser. Et nous avons vraiment besoin de vous pour y arriver. Et nous avons foi que vous nous aiderez à y arriver. Nous avons la finition de la grotte. Nous avons la réparation des cloches que vous voyez. Depuis plus de 10 ans maintenant, elles ne sonnent plus. Le grand désarroi de nos paroissiens, de nos paroissiennes, surtout des personnes âgées qui ne savent ni lire ni écrire et qui ne peuvent s'orienter que grâce aux cloches qui sonnent. Voyez les voies dans la cour de la cathédrale. Quand il pleut, c'est vraiment difficile. Nous avons besoin de poser des pavés, de mettre en place une canalisation qui permette l'écoulement des eaux pour qu'on ait une cathédrale propre, belle. Nous avons besoin d'acheter un orchestre pour nos jeunes ici, désœuvrés, pour qu'ils puissent s'occuper sainement, non seulement s'occuper sainement dans l'apprentissage de la musique, mais également dans l'évangélisation. L'évangélisation pour que le règne du Christ s'étende au-delà des frontières actuelles qu'elles connaissent. Nous avons également besoin de construire des magasins pour penser autonomie. Nous comptons sur vous, chers chrétiens, chers chrétiens d'ici et d'ailleurs. Merci. Rappelle à Dieu.